Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kiviki, votre bœuf préféré pour une vidéo sans aucun contenu. Les amis, je flex un petit peu, voilà, sans lumière, avec lumière. Voilà les gars, ouais, voilà, j'ai acheté les lumières pour vous les gars, merci, ça coûte cher. Voilà, j'espère que les gars vous allez bien. C'est Kiviki, votre bœuf préféré. Et aujourd'hui les amis, on va parler de Kishta. On va parler de la Kishta. Aujourd'hui les gars, nous allons nous ouvrir, ça fait longtemps que je voulais l'ouvrir en vidéo, notre fameuse ETB célébration les gars. Donc en fait aujourd'hui le concept il va être simple, dites-moi s'il va vous plaire. Bon, j'ai mis mes lunettes de soleil parce que ça me porte chance, hein. Vous savez, à chaque fois je les mets, bam, Kibiki il a de la chance, c'est dans mes lives, pour ceux qui ont les refs. Aujourd'hui on va voir les gars si on peut être rentable sur une ETB célébration. On va prendre comme prix le prix MSRP, on va dire environ 60 €, ok. Je pense que c'est ça les prix, hein, 55-60 €. Donc on va voir si dans une ETB on est capable de battre un petit peu ce prix. Kibiki, tu vas encore nous parler d'argent? T'en as pas marre de tout le temps parler d'argent, d'argent, l'argent? Ouais mais les gars, quand je parle pas d'argent, ça fait pas de vue. Donc on va faire des vidéos sur l'argent, parce que c'est ce qui vous intéresse. Non mais pour de vrai, je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse. Je vous ai dit pendant très longtemps que pour moi c'est un des meilleurs items à ouvrir célébration, c'est que c'est vraiment, vous n'êtes pas très frustrant. On va voir combien on va perdre, combien on va peut-être gagner. Il nous faudrait en vrai qu'un seul beau hit et ça serait cool. Après vous le savez, Kiviki il a pas beaucoup de chance. C'est un résultat que sur une seule ETB, mais c'est juste histoire d'ouvrir et de prendre un peu de fun. On est parti les gars pour ouvrir cette petite ETB. Et j'en profite aussi pour vous dire que nous allons vous en faire gagner sur le compte Instagram de Kariou. Donc n'hésitez surtout pas à aller follow. Bon, ça fait longtemps en plus que je vous dis qu'on va l'ouvrir. Et en fait au final on va les faire gagner le 1er décembre, ok. Le concours sera le 1er décembre, on va vous faire plein de concours. On passe directement en vue caméra les gars pour que vous voyez un peu. Allez regardez, en plus la vue caméra normalement doit être beaucoup mieux que d'habitude vu qu'on a les petites lumières et je pense que ça rend plutôt bien. Voilà la petite ETB les gars, Celebration les gars, oh là 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 là, Celebration. Regardez, on vient juste de l'ouvrir, il y a déjà de la poussière, de la bonne poussière, le petit livret. Oh ouais, on dirait les gars, je me suis transformé en polo. Comment ça Kibiki ouvre des cartes? Il est lourd. Franchement, le livret, il est pas mal. J'aime bien. Pas mal. Et voilà, les amis, nous venons de perdre toute la valeur de l'ETB. Fin de la vidéo. Les petites sleeves. Alors ça, c'est bien. Ça me fera un petit peu de stock. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui participent à la boîte à cadeaux et qui m'envoient des sleeves. Parce que je vous avoue que c'est vachement relou. Ouh là là. Ça, je suis content. Amphi Nobistar. C'est pour ça aussi que je l'ai ouvert. J'en avais pas. Je vous mets son prix là actuellement. Je sais pas, il tourne à combien. Peut-être sous les 10 €, je pense. Hein, facile. Mais c'est déjà cool de l'avoir. J'avais vraiment envie d'avoir cet Amphi Nobistar. Donc ça, c'est vachement cool. Bon, le paquet d'énergie, comme d'habitude, OZEF. Le petit code. Tiens, c'est pour vous. En plus, c'est que c'est un code qui vaut cher. Ça vaut un peu d'argent, ça, ce code-là. Je crois 3-4 € facile. On a bien sûr les boosters. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, hein. Les petits dés, les petits séparateurs. Donc bon, comme d'habitude, hein, ETB basique, rien de fou. N'empêche que ça, c'est vachement intéressant d'avoir cette petite carte parce que ça rajoute toujours un petit peu de valeur à son ETB. Et moi, je l'avais pas, vu que j'en avais pas ouvert depuis tout ce temps. Même les dés et tout, ils sont un peu cool. Je sais pas si ça vaut un peu d'argent. Je vous mettrai les prix de toute façon. Alors, comme d'habitude, ils nous auront fourgué les pires boosters de l'univers. Hein, style de combat, on en aura 1, 2, 3 Battle Styles, 3, 2 Reines de Glace. Clairement ça c'est pas ouf du tout et là par contre c'est ce qu'on kiffe, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, l'entraînement continue, célébration. Allez les gars, on va pas perdre de temps, on va s'ouvrir ça tout de suite et on va voir, je vous montrerai les prix à chaque fois, j'espère que ça va vous plaire, ça me fait bizarre. Toutes les cartes bien sûr seront à la boîte à cadeaux, hein, ce sont des cartes que je vous donne, hein, parce que bon, je vous avoue que c'est pas non plus des séries que moi je recherche énormément, alors pourquoi pas, hein, s'il y a un gros hit sur Reine de Glace, je ne dis pas non. Allez, on commence les gars avec Lanterne Accueillante, le Lapiro, Lapiro que j'aime beaucoup, hein, même dans le TCG Pokémon qui est très fort, Flambino, Aspico, Canard Tichot, le Morpheo, Vivaldin, et derrière nous aurons... La pauvreté les amis sur ce premier booster de Kibiki. On continue, bon, Reine de Glace, hein, vous le savez, hein, c'est Reine de Glace. Après j'irai pas non pour une petite alternate, ça serait cool. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boosters, hein, c'est ça qui est vachement cool aussi avec cette ETB. Un peu comme la valisette, hein, c'est les deux items que vraiment à privilégier si vous arrivez à voir quelque chose d'assez cool. Fogler, Pivonia, les gants encore une fois, Pyronil, Sepiatop, Rocabot, Fantominus, Coxie, le gant justicier et derrière, Kaymorse. Donc voilà, là pour l'instant les gars, je pense qu'on est à... Je sais pas, en valeur totale, on doit être à 2 €, un truc comme ça. Je sais pas, je vous calculerai, hein, je vous calcule le tout, hein, vous inquiétez pas pendant le montage. Allez, on a 3 Battle Styles.
Il nous faudrait quand même au moins un hit sur, sur Battle Styles, une V ou un truc comme ça. Même si ça coûte pas cher, c'est pas grave. Parce que sinon, je pense que ça va être compliqué d'avoir 60€ dans les célébrations. On va voir un peu ce qui va se passer, les gars. Spoiler alert, est-ce que vous pensez qu'on va être rentable sur cette ouverture, les gars? Dites-le moi dans les commentaires. Dans les commentary. Alors, énergie métal, le corps boss, Hypocéan qui est magnifique. Cornep, encore une fois, chez Chiflor. Tritox, Kung Fu In. Allez les gars, il nous faut du Massive Beach, il nous faut quelque chose. Noferalto est derrière. Aïe aïe, c'est la clim, c'est la clim. Voilà, de toute façon, vous le savez, Kibiki, hein, pour ceux qui me regardent ouvrir des boosters pendant, pendant tout le vendredi, Kibiki, c'est loin d'être le mec le plus chanceux en ouverture, hein, vous le savez. Hein. Allez, encore. Est-ce que je vais faire un 0 hit sur 5 boosters? Ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal, ça serait votre Kibiki tout craché. En vidéo, franchement, j'en fais des dingueries. Par contre, en off, ça se passe souvent bien. Allez, on y va, on espère avoir quelque chose quand même. Oui, Messire, Coloma, Tour de l'eau, Seribou, Excellang, Electek, Psytigri, Charpentier, Recycleur d'énergie. Et derrière, le premier hit, les amis! Roi Tiflamme qui va aller directement dans la boîte à cadeaux. Massive déception! Ah, vas-y, c'est pas possible, ça. C'est pas possible ça. Je vais sortir quelques sleeves. De toute façon, vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin de beaucoup de sleeves vu les hits qu'on a aujourd'hui. Bon, j'ai pas battu mon record de 0 hit, les gars, en 5 boosters. Je suis déçu. Allez, encore un petit Battle Styles. Super, merci, merci les ETB. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à dropper des trucs sur ces boosters là? J'ai l'impression que c'est un peu les boosters OZEF. Hein. Beaucoup de gens les vendent d'ailleurs sur les groupes Facebook et même sur mon Discord. J'en ai vu beaucoup qui en vendaient. Allez, Tour de l'eau, Concentration de Cornella, Onyx, Kelgoth, Gripat, Shaglam, Ramolos, Voltoutou, le Rouleau. Allez, un petit truc s'il te plaît. Oui, les amis, enfin, c'est une carte VMAX! Peut-être enfin un Massive Hit pour aller, s'il te plaît! Allez, on y va, les gars. Un petit Massive Hit, les gars. Un petit Massive Hit pour Kibiki. Oh. Boum! Ça, c'est lourd, ça! Ça fait plaisir, les gars! Corvallus VMAX! Ah, si, ça, la petite VMAX, là. J'aime bien! Ah, ça, c'est cool. Est-ce que je vous la mets dans la boîte à cadeaux? Ça, je sais pas. Ça, peut-être, ça va rester pour Kibiki, ça. Non, je crois que je vais vous la mettre dans la boîte à cadeaux. Elle est vachement cool, cette carte. Hein. J'aime beaucoup. Ah, franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Kibiki dit qu'une carte style de combat, il aime bien. L'artan qui est cool. Et non, franchement, ça change un peu. Je vais peut-être vous la mettre. On verra dans les commentaires. Allez, on continue. Donc là, déjà, ça nous a mis pas mal. Hein. Ça nous a mis pas mal, les gars. Là, on va passer aux boosters les plus intéressants. Là, on peut avoir le plus de Massive Hit. Alors, pour ceux qui savent et qui suivent mes lives, j'ai ouvert plus de 700 boosters célébration et je n'ai jamais eu le fameux Umbreon. Ah, mais là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, les gars, sur le triage, excusez-moi. Ok, j'ai fait n'importe quoi, excusez-moi. C'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Ouais, j'ai ouvert plus de 700 boosters. Je l'ai ouvert comme un booster japonais. Et je n'ai jamais eu donc ce fameux Noctalistar. Donc là, faudrait qu'il tombe. Hein. Faut vraiment qu'il tombe. On l'a jamais vu. Regarde, moi, je fais toujours ça comme manip. Je trouve ça mieux parce que la carte la plus intéressante, souvent, c'est ça. Allez, on y va avec le Zekrom. Dialga. Petit Pikachu Surfer. Je sais même pas combien il coûte maintenant. Et on n'aura rien. Pour l'instant, 0 hit. Intéressant. Ça commence à être tendu, les prédictions commencent à être tendues. C'est tendu. Je suis tendu. Est-ce que vous êtes tendu? Oh là les gars, j'ai senti. Bon, en fait là les gars, j'ai tellement l'habitude d'en ouvrir, je sais qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose les gars. Je suis sûr. Le Mew est... Oui! Le Luxray! À chaque fois que j'ouvre une ETB, c'est une Luxray. Je sais pas pourquoi il me hante comme ça. Bon, on va le mettre dans la boîte à cadeaux. Ça fait plaisir quand même. Luxray, j'aime beaucoup. On va le mettre dans la boîte à cadeaux, cette carte. Ah, l'effet pailleté, là, est vachement cool. Ouais, alors, Kibiki, comment tu sais? En fait, je le sens avec mes doigts, malheureusement. C'est à force d'en ouvrir, les gars. C'est à force d'en ouvrir. Là, par exemple, je pense que j'ai rien. J'espère que j'ai tort. J'avais bien raison. Bon, c'est un peu chiant quand même de me spoil. Je vais essayer, les gars, de faire attention et de pas me spoil. Vous savez quoi? Je vais pas faire de manip parce que sinon je sais directement si j'ai un hit ou pas. Donc là pour l'instant le TB est ok de cher. Allez, pas de manip, on va y aller comme ça, voilà, comme ça au moins c'est un petit peu mieux. Dialga et là normalement c'est ici qu'on doit avoir un hit. Oui les amis, Massive Hit, le Florizarre qui tombe.
Oui, monsieur! Oui, madame! Oh là 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 là, vous avez vu le fun que c'est à ouvrir ces trucs-là? Ouh! Chiche! Bon, je vais mettre les uploaders plus tard. Bah, c'est cool, hein, ça, je crois qu'il manque juste. Bah, il manque vraiment juste Noctalie. Il manque vraiment juste Noctalie. Je pense que là, nous sommes bientôt à la rentabilité. Nous sommes bientôt à la rentabilité, les amis. On continue sur cette ouverture. On a le Diane, qui vient de mettre une patate à son écran. Allez, un petit hit encore. Oui, les amis, on va continuer cette fois-ci. Le faux professeur Shen qui arrive et le Pikachu volant VMAX. Ah, ça, c'est des cartes qui iront à la boîte à cadeaux. Mais ça fait toujours plaisir d'en avoir un petit peu. Hop là. Oh, j'ai fait n'importe quoi avec ma sleeve, excusez-moi. Ah, est-ce que ça vous fait plaisir à quelques ouvertures comme ça? C'est vrai que bon, j'ouvre énormément en live sur Karyu, pour moi personnellement, j'ai pas ouvert beaucoup. Donc c'est cool aussi pour moi, ça me fait quelques cartes à vous donner et tout. Donc c'est bien, je pense que je garderai peut-être comme je vous ai dit, la VMAX. C'est vraiment le seul truc que je garderai. Allez, Reshiram, Palkia est derrière, on continue les amis, mais on ne s'arrête pas les gars. Eh bah les gars, oh c'est cool ça, hein, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal ce qui est en train de se passer. Je pense que là on est bien, bon je pense pas qu'on a réussi à atteindre encore les fameux 60 euros de valeur, mais on est bien. Je regarderai les dernières ventes plus ou moins eBay, Card Market, hein, je regarderai plus ou moins un peu sur les prix qu'on peut avoir. Mais pour l'instant, très content de cette ouverture. Très fun surtout à ouvrir. Allez, on espère avoir encore... il nous faut un gros hit et c'est bon. Ok, ce sera pas sur celui-là. Et derrière, on aura Nullen. Okay. Allez, plus que deux derniers boosters. Hein. C'est passé plutôt vite, hein. C'est passé plutôt vite cette petite vidéo ouverture, les gars, d'être avec votre buff favori. On va couper ça, tac. Hop, là, le petit code encore une fois, c'est parti, Cosmog, Lugia derrière, on continue avec un Pikachu Birthday, Massito, j'aime bien ça, le PIB Ninja est heureux quand on a ce genre de truc. Bah là, les amis, j'avoue que c'est un petit braquage qui est proposé par votre buff, une de mes cartes préférées d'ailleurs de ce set. Donc vous avez vu, hein, ça peut vraiment être... Bon après là c'est parce que je pense que j'ai un petit peu de chance, pour une fois, hein, j'ai pas arrêté de me plaindre. Mais vous avez vu que c'est vraiment très très fun. Allez, dernier booster les gars, si on arrive encore à avoir un hit là, ce serait la folie. Et non, on aura rien, mais par contre... Oh bon, les amis, Kibiki, qui mange là? Je mange très très bien. Ouh là là. Oh la folie. Oh la folie. Oh la folie des grandeurs. Oh, je suis heureux. Let's go. Oh, c'est trop bien. Oh, je suis trop content, l'ouverture de fou. Quelle ouverture de fou! Donc ici on aura le Mew, Pikachu, recherche professorale, Elector, Rocket, Pikachu, VMAX, Florizarre, le faux professeur Shen, le Luxray, Corvaeus, VMAX, le Roitiflamme. Vraiment excellente ouverture. On n'oublie pas les amis aussi qu'on a l'Amphinobi. Je vous rajoute tout les petits trucs en plus. Donc là, on va ici on a les cartes en bulk. J'estimerai ça à 15 euros, je pense. 10-15 euros, pas plus. Je vois pas. Dites-moi si j'ai fait une bêtise. Donc je pense que on est à 10-15 euros. On va avoir les petites sleeves, etc. Ça aussi, hein, 2-3 euros grand maximum. Et les trucs. Donc je vous fais le total. Je sais pas si on était rentable ou pas. Je pense que ça va. On était plutôt. On a eu beaucoup énormément de chance. Donc là, dites-vous qu'on est quand même sur une ETB très chanceuse. Mais vous avez vu le fun que c'est à ouvrir. C'est assez long à faire. Donc si vous avez la chance de pouvoir vous en procurer à prix retail, c'est excellent de pouvoir en ouvrir. Mais si vous aussi vous regardez scellé, je pense que c'est des trucs qui en scellé aussi performent plutôt bien. Voilà les amis, bon, beaucoup de poussière là sur mon tapis, je suis désolé. J'espère que ça vous a plu cette petite ouverture, je suis très très content. Je n'avais pas eu les deux cartes qui me manquaient, c'était Mew et ce fameux Umbreon, j'avais totalement oublié Mew. Donc là je vous avoue que je suis extrêmement content. Sur ce les amis, c'était Kiki, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans des Pokémon. Le Massive Hit est encore arrivé, salut à tous.